Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec équipe Civic Caraïbes là depuis mon bateau police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous pas développer deux points pour une information, mais avant nous faire ça, équipe Civic Caraïbes là veut remercier tout le monde qui toujours branché Civic Caraïbes pour information pays. Et un gros merci avec ça toujours qui ton commentaire pour nous positif ou bien négatif. Ici dans mon bateau police équipe Civic Caraïbes là, nous apprécions ça. Et si c'est première fois visiter nous ou remet information nous partager ou capable abonner avec TV Caraïbes et puis pas oublier ouvrir chaîne notification pour capable faire partie équipe notification TV Caraïbes là et ça t'a impressionné nous en pile sous des capable aider nous grandir chaîne ça et bien nous pas perdre temps n'a déroulé avec information yo en nous secrétaire général Sénat République là fait qu'on est assemblée sénateur pour le mettre un nouveau bureau dans tête Sénat Jean règlement intérieur Sénat exiger ça. L'autre information nous gagne pour nous pas l'invite à suivre réaction quelques dans sénateur après constat président République là Jovenel Moïse sous cas dissité parlement. Eh bien nous pas perdre temps non là, nous pas l'invite à suivre, n'a commencé coulier. Que parlement les caduc, secrétaire législatif qui va là avec deux tiers sénat mais les cités il parlait de caducité. Et nous connaissons qu'il y a quand même une quantité de sénateurs qui sont en fonction. Est-ce que tu aimes ça avec avoir 10 sénateurs qui sont encore en fonction? Bon, à la vérité, il faut dire tout de suite qu'il y a une impropriété de terme. Et la caducité signifie la disparition, la mort de l'institution. Tout au plus, on peut dire qu'il y a un dysfonctionnement. Et le dysfonctionnement n'est que partiel. Certes, le Sénat ne pourra pas tenir séance parce que le quorum est inconstitutionnel. Pour tenir séance, il faut qu'on gagne quorum de 16 sénateurs. Donc si le Sénat est réduit à 10, on va entrer dans la discussion ça en tant que secrétaire général, on va connaître combien de critères. Le Sénat ne pourra pas tenir séance, mais le Sénat peut exercer d'autres fonctions constitutionnelles telles que mener les enquêtes dans les administrations, telles que faire le contrôle de l'action gouvernementale, inviter des ministres. D'ailleurs, le CDI a bien dit que le Sénat fonctionne en permanence. Même s'il restait un, deux, trois sénateurs, le Sénat est encore vivant. Donc parler de caducité, c'est une impropriété du terme, il faudrait peut-être dire un dysfonctionnement et un dysfonctionnement qui n'est que partiel. Avec 10 sénateurs, nous avons 13 commissions permanentes. Voyez-vous, il y a certainement une étude qui pourra être faite pour avoir des commissions spéciales, des commissions fortes, certaines commissions, telles que commission justice, commission éthique, qui aura continué à exister, mais il est difficile d'avoir 13 commissions avec 10 sénateurs, si jamais c'est 10 sénateurs traités. En 2016, le Sénat a fonctionné avec 10 sénateurs, et c'était André Scrifier qui était président du Sénat. Il y avait un bureau. Il y avait un bureau de 5 membres, président, vice-président, questeur et deux secrétaires. C'est la même chose. Et les règlements intérieurs, l'article 12, 13, 14, 15 et 16, et suivant, ils prévoient que le deuxième mardi de janvier, le Sénat doit se réunir pour former un bureau. Certainement, demain, mardi, 10 ou 19 sénateurs vont se réunir pour former un bureau, pour faire fonctionner le Sénat. Parce que faut que le Sénat fonctionne, il faut qu'il y ait un président, il faut qu'il y ait un questeur pour gérer les choses administratives et financières. Donc il faut que nous structurions ça quand même. Ils s'en vont le 13, nous sommes au 13. Laissez-leur le temps quand même de amener les clés des bureaux, bien les véhicules, etc. etc. Donc, on attend ça. De toute façon, moi-même, j'ai préparé la salle pour la réunion du Sénat demain et me préparer une salle pour 30 sénateurs. Parce que moi-même, je connais que le Sénat, c'est 30 sénateurs gain. Donc, bon, il y a une qui parle là, nous fonctionnons avec 29 sénateurs, mais la salle est apprêtée pour 30 sénateurs. Nous, secrétaire général, nous ne faisons pas le politique, nous faisons de l'administration. Sénateur Salomon, président, et sénateur Dumont, ils ont presque dit toute bagaille parce que
jodi a nou nan situation que nous dit que son situation illégale et inconstitutionnelle. D'ailleurs, moi j'étais dans des présidents te dit li voilà agi d'après constitution et moi te pensé que jodi a agissement président li t'ap expliqué l. Et pourtant son tweet que le voyez et li dit il fait constat. Tweet ça non seulement pas de valeur légale mais au niveau de la forme, c'est pas pouvoir exécutif qui constate fin mandat pouvoir législatif, c'est l'assemblée qui valide, qui peut constater la fin du pouvoir des députés et des sénateurs. Question ça a l'éclair et je dis à moi quoi que Jean sénateur du Monsodil, article 50.3, il n'y a pas à sortir de là. Il n'y a pas même besoin de modifier pour mon cap dit faut modifier la loi électorale. Il dit sénateur a fini le deuxième lundi de la sixième année de son mandat. Cependant, ça nous est, et comme sénateur du Monsodil, il y a une intention d'elle. Est-ce que je dis à un pays, un président pas voulu gagner opposition? Et nous remarquons justement, c'est parce que il y a des sénateurs qui ont des positions qui font que je dis à, eh bien, il faut y retirer. À partir de ce moment, est-ce que c'est la démocratie? Moi, je crois que la démocratie a demandé pour gagner une majorité, une minorité, pour gagner des gens qui ont une position différente. Et il faut nous vivre avec eux parce que son pays nous gagne. Ce n'est pas un bien privé, son pays. Et dans le pays, il y a qu'à gagner une voix majoritaire, qu'à gagner une voix minoritaire. Et moi, je crois que je dis, il est extrêmement important, nous-mêmes qui là, pour nous dire que nous n'avons pas qu'à renvoyer des sénateurs par un tweet. Si vous faites, à n'importe quel moment, un président a gagné l'autre législature, l'autre n'est que font tweet et tout le monde a dit, c'est normal, c'est pas normal. Nous croyons que je dis à ça que c'est important, c'est que le combat que nous avons fait, c'est pour nous rétablir la loi et la constitution. Et je pense que pas un meilleur combat, c'est que nous avons la loi ou dans la constitution. Article 94.1 qui dit condition pour faire élection sénateur, c'est la loi électorale qui détermine. Loi électorale 2015, il dit sénateur qui a parlé de l'élection, premier, il a fini jusqu'au deuxième lundi de janvier et de la sixième année, deuxième, il a comblé vacances. Voici ce qu'est la loi et la loi doit être appliquée. Je m'exprime cet après-midi à la manière du grand député des Gonaïves, l'honorable Raymond Cabesh, de regretter mémoire. Permettez tout d'abord que je salue la mémoire des dizaines de milliers de victimes du séisme du 12 janvier 2010. Au lendemain de la commémoration des 10 ans de cette grande catastrophe ayant secoué notre pays, une fois de plus, en ma qualité de vice-président du Sénat de la République, le devoir patriotique m'interpelle. Il m'incombe aujourd'hui la lourde tâche d'écrire une nouvelle page de l'histoire d'Haïti. Faisant suite aux rumeurs, laissant croire que 2/3 du Sénat partiraient au deuxième lundi de janvier 2020, le président de la République, force est de constater, vient d'enfoncer le clou dans la plaie. Après avoir lancer 2 tweets relatifs à la caducité du Parlement. Ce, en violation des prescrits de la Constitution et du décret électoral de 2015. Il s'agit d'un acte politique qui exige une réponse immédiate, car à toute action politique,
s'oppose une réaction politique. Le chef de l'État n'a aucune provision constitutionnelle ni légale pour prendre de telles mesures à l'encontre du Sénat de la République qui reste debout avec deux tiers de ses membres et continue en conséquence de jouer son rôle de vigie. Je regrette que certains de mes collègues acceptent de vendre leurs droits d'aînesse pour un plat de lentilles. J'assume. Le peuple haïtien en prend acte et l'histoire, tôt ou tard, prononcera son verdict. Il est de principe en démocratie que le pouvoir arrête le pouvoir. Toutefois, nous venons de constater que l'indépendance et l'intégrité du pouvoir législatif sont menacées par les fantasmes dictatoriaux, autocratiques du président de la République qui, ayant agi de la sorte, attaque la jeune démocratie haïtienne dans ses fondements. Compte tenu du fait que la nature a horreur du vide et que le Sénat de la République est le dernier rempart de la démocratie en Haïti, au regard de l'article 95.1 de la Constitution en vigueur, stipulant que les sénateurs siègent en permanence, en attendant la formation de nouveaux bureaux au niveau du grand corps, j'exerce, à mes risques et périls, provisoirement, la fonction de président du Sénat. Pour la vérité et pour l'histoire, je n'ai pas violé le règlement intérieur du Sénat, encore moins la constitution de mon pays. Je leur ai fait un enfant. Lorsqu'un pays en situation de crise grave et que en pile secteur d'un pays ou bien dirigeant d'un pays en quête de trouver une solution, bien une issue à cette crise, il y a un outil qui est plus important pour utiliser, et bien c'est faire en sorte que pour ne pas entrer dans aucune logique de provocation. Je dis à ce qui a passé là, le mot caducité, c'est un mot qui révolte moi dans des élus légitimes, tant ça le passé. Je n'ai rien dit à la Constitution consacrée mandat à tout le monde. Et même sénat, et même président Jovenel qui a un mandat, je n'ai rien dit à, nous tous avons constaté à qui point président Jovenel était accroché à mandat. Et même au compromis qu'on a cherché, chercher une formule de sortie de crise, non bagaille win-win. Les mêmes étaient campés sous position raide, ils n'ont pas perdu même en minute dans le mandat. Sous bazar, nous trouvons des antigens trop faciles pour le président arrêter, de prendre décision et puis il dit carré barré, un parlement caduc, un vide institutionnel, à partir de deux tiers Sénat, dont le mandat est fini, et puis Chambre des députés, le mandat est fini. Mais le mot caducité, il dit tout bagaille. Tant que le sénateur Dumont sort d'Ili, comme gros grammairien, eh bien, il dit très clairement, caduc, si on est allé caducité, ou à sur Google, ou après ça, il veut dire. Son bagaille qui périmé, on va le mettre dans le coin, on va qui parle à la mode encore. Et je dit tout à l'heure, même seul au Sénat de la République, je représente le Sénat, autant que mandat beaucoup fini. Autant que mandat collègue pour confiner tout, personne n'a pas d'autorité, ni droit, ni privilège pour retirer. Et on croit que nous avons cherché accord, nous avons cherché chita parler, nous avons cherché chita attendre, pour nous, c'est une la formule consensuelle
la meilleure formule qui peut permettre nous retourner le pays à sous chemin stabilité avec progrès, avec des institutions qui sont beaucoup plus fortes. Eh bien, je ne crois pas que ça a aidé. Je ne crois pas qu'il a aidé. Peut-être, je dis à un monde qui n'a pas encore eu, mais l'histoire retiendra que ça qui fait la journée jeudi à comme acte, c'est un bagage qui est capable d'handicaper tout processus qui est capable de conduire vers ça que nous avons carré un accord véritable pour nous capables d'essayer de prendre le pays, sortir le côté de l'IA et mettre le côté de l'Italie. Nous avons dit qu'on calme dans le pays, comme on a observé la journée aujourd'hui. Mais faites attention, son calme apparent, c'est un calme, comme tu as dit, où il y a un ensemble de problèmes qui là aujourd'hui à qui à l'état latent. À n'importe quel moment, il doit ressurgir. Et par conséquent, tout dirigeant en d'un pays doit aller mollo mollo, il doit aller pianissimo, il doit aller doucement et poser plus bon acte doit poser dans moment pour permettre qu'on rassemble le plus de monde possible pour discuter. Je ne veux dire à ce qui fait, et je pas narcissique, si je dis, ce qui fait la force. Il y a un président qui fait une faute de lexique, une faute de vocabulaire, là, il parlait de caducité, mais c'est pour une faute liée à son intention. Pour parler de caducité. Ça caduque, c'est feuille qui finit vivre dans le pied bois, tomber. Et puis, vous voyez dans le brûloir, il y a le boulet. Le Sénat, c'est un droit pouvoir de l'État qui quimbe la souveraineté populaire. La souveraineté, vous l'avez dit, peuple haïtien, la nation haïtienne, l'État haïtien, il a droit, il a pouvoir pour le faire ce que la loi mande pour le faire, pour le capable de défendre l'intérêt. Et le Sénat de la République, là, gagné 19 sénateurs. Ma pour reprendre un petit cas. Ça, sénateur Salomon Soudir. Ligue doit même un petit genre contre volonté quelques collègues. Mais faut me dire gagné 19 sénateurs. 19 sénateurs sérieux parce que gagné un groupe qui était élu pour 6 ans. Parce que il y a un deuxième groupe qui était élu pour 4 ans. Il était rempli en vacances. Il était remplacé moun qui pat là. C'était en 2015. Élection en fait en 2016, yo prêté serment en 2020, yo fini. Donc n'a pas d'accord que moun qui relé Salomon yo par exemple, moun qui relé la tortue par exemple, c'était 6 ans que yo te gagné. Yo pas capable aller. Léo élection en fait en 2015, yo monté, yo fait 7 mois dans Sénat. En 2016, y a fini en 2022. Arithmétique là c'est ça lié 16 et 6 22. Et donc y a ensemble avec Saki en 2017 yo. Tant coup sénateur Lambert, tant coup moi-même et d'autres qui étaient élus en 2016 et qui prêtaient serment 14 février 2017, 17 et 6, 23, n'a fini en 2023. Maintenant, le président fait deux fautes graves dans l'exercice de ses fonctions. Il y a eu sa forfaiture. Et forfaiture, une fois de plus, le président Guilherme, pas comprendre ça. Dit susceptible pour yo considérer comme, et pas considérer, dit susceptible pour chambre des députés, mandeli pour expliquer sous ça. C'est le ça, Sénat, pour ériger en haute cour de justice. Il pas fait, dernière fois. Mais attention, c'est pas chaque jour, c'est pas chaque semaine, un groupe moun nan pays a commettre faute et puis pour pas gagner conséquences. Nous-mêmes, nous gagnons mandat peuple pour que le Sénat vive et en permanence. Moi, content de sénateur Salomon, je suis content de sénateur Lambert et sénateur Latortue
et m'a content que peuple haïtien a goumé pour joindre la vie meilleure, pour corruption suspendre dans le pays, pour que nous avancions vers la gloire que nous avons gagnée en 1804 là, et que nous devons aller chercher, je dis en toujours, pour ne pas tomber dans petit tintin. C'est un gros cause pour nous, régler les problèmes. Voilà, équipe TVK et Bladi, merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbes. Et toujours songez pour activer la petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babis à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.